Résumer ce que nos quatre experts nous ont élaboré ce soir. Donc, Nabil Seda nous a vraiment parlé du contrôle du taux sanguin de LDL qui peut être fait par la diète, par l'exercice et en utilisant des médicaments, en particulier les statines qui diminuent la synthèse du cholestérol et la nouvelle protéine qui est la PCSK9. Qui régule le métabolisme du LDL cholestérol. Donc ça, c'est vraiment l'aspect nouveau dans le dossier du cholestérol. Docteur Dufour, nous a dit qu'il était important d'identifier et de sélectionner les personnes qui méritent un traitement et qu'on doit ajuster également l'intensité du traitement selon le patient. Chantal Blais nous a parlé de l'alimentation appropriée pour abaisser le LDL et nous a mené vers la chasse aux gras saturés et aux gras trans pour obtenir des bons résultats. Et Véronique nous a donné le feu sacré pour marcher jusque chez nous, pour nous donner le feu sacré pour faire plus d'exercices, quel qu'il soit, et que ça peut faire une différence. Il me reste à remercier nos quatre experts parce qu'ils ont été très généreux de leur connaissance et de leur... Donc, c'est le mot de la fin. Alors, bonsoir et merci.